Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, aujourd'hui, vous êtes venu pour voir juste la démonstration du portefeuille avec le grand maître Marabout. Exactement, Kamara. Papa. Exactement, papa. Vous êtes là aujourd'hui juste pour voir une démonstration. Sinon, quand vous étiez venu, je sortais déjà. Oui, oui. Mais oui. J'étais très, très pressé. D'accord, papa. Donc, c'était juste pour vous montrer la démonstration parce que vous avez envoyé l'argent. Mais vous êtes venu pour voir la réalité. Oui. Ta langue là, c'est quelle langue? C'est la langue mina, moi je parle. Tu viens de quel pays? C'est le 228. Hein? Ah. Oui, c'est mon frère et on est à deux là-bas, on est en train de passer. Lui ne connaît pas trop le français. On est en train de chercher sur les réseaux sociaux et on a trouvé votre numéro pour vous faire contacter. Ah ok, c'est pour cela que vous êtes passé. Oui, mais comme moi j'ai pas l'argent, c'est lui qui fait dépenser. C'est pour cela que j'ai dit. Il doit m'accompagner, on doit venir vers vous. Ok. Il a dit qu'il veut voir la réalité. Comme oui. C'est lui qui dépend, toi oui. Tu l'as accompagné. Oui, exactement. C'est très bien. Aujourd'hui, vous êtes venu chez le grand maître Marou Kamaru. Oui. Et c'est mon numéro que vous voyez là. Juste pour vous présenter les petits trucs. Hein. La chose, on est déjà fatigué de ça. On a déjà fait ça à des milliers de personnes. Ils sont riches aujourd'hui grâce à ça. Mais les gens disent que ça n'existe pas. Ce n'est pas la chose là qui va produire. C'est la chose, le pouvoir qui va contenir ça, qui va amener l'argent dedans. Sinon, ce que vous voyez là, c'est la bague qui est son pouvoir. Moi, j'ai toujours la bague là, sur ma main. Pour lui, elle là. Mais ce que vous voyez là, c'est petit, il n'y a rien qui ne nous étonne plus. Vous voyez comment je tiens. Ça, si quelqu'un prend maintenant, il va avoir peur. Moi, je n'ai plus peur de ça. Ce que tu as commencé depuis 20 ans, est-ce que tu vas encore avoir peur? Non, papa. Ok. Papa, dis-moi bien, allez, c'est quoi? Que quand tu fais les filles, elle a produit les numéros. Ce que tu vois c'est comme papa, ça, il demande que si exactement le portefeuille va produire devant lui. Ce n'est pas la chose, ça. Oui, c'est ça. Ça là va lui produire 300 000 tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il a demandé. Ah, d'accord. Ça va lui produire 300 000. Et lui-même va voir avec ses yeux. Ok. Parce que ça là, les gens disent que le portefeuille produit. Yeah, ouais. Le portefeuille ne produit pas l'argent. Ça ne produit pas. Mais on va appeler ça produit. Parce que quand tu prends maintenant, tu demandes ce que tu veux, tu dis ça. Si c'est 1 million, ça va t'amener. Si c'est 2 millions, ça va. Ça dépend de ce que tu as dit. Il y a ce qu'on fait, ça produit 200 000, 100 000, 500 000, 1 million. 1 million 200, 1 million 500. D'accord, après papa, 1 million 500, c'est la valise. J'ai une question. Tu as quelle question? Oui, je vais vous demander si j'ai pris le portefeuille seulement, si j'ai dit je veux 1 million, ça va sortir le 1 million. Ou bien c'est le 1 million, je dois faire d'abord avant, ça va sortir le 1 million. Tu vas faire pour 1 million, si tu veux, tu vas faire pour 200 000. Si tu viens, si tu as fait pour 1 million, tu viens, tu demandes 200 000, ça va te donner. D'accord. Mais si tu fais pour 300 000 maintenant, tu dis que ça va te produire 1 million, c'est impossible. Merci. Oui, c'est ça. Donc voilà maintenant. Aujourd'hui, vous êtes là juste pour voir la démonstration. Oui, je veux sortir. Donc, je vais vite faire la chose. Ce que vous voyez là maintenant, oui, c'est le portefeuille. Il faut toujours concrétiser ça. Il faut demander ce qu'on veut. L'honneur, l'amour du tout. Tu as quitté le Togo. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit qu'il est à Niamoutougou, bien quoi là, je ne sais pas. Il m'a insulté. Je lui ai dit que je ne sais pas de quoi il parle. Il parle une langue bizarre. Mais quand je lui ai dit de venir, j'ai écrit de venir, de demander à quelqu'un à quoi l'expliquer, lui-même il est venu, il a vu. Et il s'est encore excusé. La richesse que vous voulez, ça dépend de toi. Voilà. Si tu veux être millionnaire demain, c'est toi-même. Oui, si tu veux être millionnaire après demain, c'est toi-même. Si tu veux vivre pauvre encore, c'est toi-même. Donc tout ce que vous voulez, il y a existe ici. Vous voyez, je parle calmement. C'est comme c'est ma 5e ou bien 6e vidéo en ligne aujourd'hui. Si je fais ça et mon maintenancier vient maintenant, il me pose en ligne, ça va faire 7 ans, oui, parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Retour affectif, valise, calebasse, caisse, tout ça là. Ça, les gens m'appellent, je ne sais même pas d'où ils prennent mon numéro. Donc c'est pour cela, on va commencer les détails. On va prendre une minute de silence d'abord. Mais n'oubliez pas, la bague, c'est la bague de puissance du portefeuille. C'est la bague. Vous voyez toujours, il n'y a rien dedans. Oui. Il n'y a rien dedans. Oui, papa. On va lui laisser une minute. Tout ce que vous voyez là, maintenant, c'est les génies qui font le travail du retour affectif. Oui, exactement.
hommes et femmes. La calebasse là, c'est pour les choses du travail. Si tu prends un peu du poudre dedans ici maintenant, et tu prends ça, et tu mets ça sur la lentille d'aujourd'hui, je vais chez celui qui me doit, il va me payer. 500 000, il va te payer. La bouteille que vous voyez la bougie qui est en haut. Il y a la bougie qui est en haut. La bougie dont vous voyez là, attention, c'est la guerre. Si quelqu'un me doit, il m'a fait du mal bien quelque chose maintenant, j'arrive ici, j'appelle son monsieur, la bougie, ça va s'éteindre. La personne peut mourir. Il peut faire d'accident. Je m'en fous de ça. C'est ce qu'il a demandé qu'il a fait. On a l'huile rouge. Quand on va finir le travail, on va toucher l'huile rouge pour calmer les génies qui travaillent. Le génie qui travaille sur toutes mes choses, ce sont les génies indiens. On appelle ça le Shiva. Parfois, j'aime trop leurs chansons parce que dans la nuit, tu vas voir les oiseaux vont venir te donner les messages. Il faut appeler celui-ci. Son numéro, c'est celui-ci. Il est en train de subir un grand problème que quelqu'un veut lui faire du mal. On est obligé de l'aider. Vous comprenez? Oui. C'est pour cela, le parfum là, je vais demander à tout le monde d'avoir le parfum là chez eux. C'est un parfum de chance. Et quand la personne achète, il m'écrit, je vais lui dire ce qu'il va faire. S'il a ça et il va chez une femme, la femme va l'aimer. S'il a n'importe quel problème, il va chez quelqu'un, la personne sent l'odeur. S'il a l'argent là dans sa chambre, il va lui remettre. Si quelqu'un te doit, tu appelles son nom, tu demandes le parfum là, il va lui remettre. C'est pour cela qu'il y a une bonne chose. D'accord. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir la persévérance. D'accord. Maintenant, on va prendre la deuxième chose pour pouvoir motiver les génies. Tu es là? Papa, okay. Tu as quitté le Togo pour voir ce qui va se passer. J'ai quitté le Togo. Les génies que tu vois là, c'est le pouvoir. La bague que tu vois là, c'est le pouvoir. Il y a les petites choses qui changent la vie de qui que ce soit. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. Donc, on va appeler les génies maintenant. Ero agbanon jegbe kono je kono ron we ba re ma mo go ale wa fi atonda go tonje na mo re ba re na mo la fi ara ro ko re ko re ya ka sa se ga ha ro so ga sa je la Je me demande est-ce que ça a produit, mais je ne suis pas le génie pour savoir si ça a produit ou pas. Je vais demander le portefeuille aujourd'hui, est-ce que le génie indien Shiva Isubu a fait la production? Ça a dit, il n'y a pas la mort dedans, il n'y a pas le mauvais chose dedans, tout est fermé. Est-ce qu'il y a le bonheur et la richesse dedans pour lui à vie? Mon fils, quel est ton nom déjà? Ok, donc c'est pour cela, on va finir avec ça pour voir ce que ça va donner. Maintenant c'est bon, deux ouverts, deux fermés, c'est pour cela tout a été bon. Ça a accepté que ça a ouvert. Tu veux regarder, non? Oui, papa, je veux regarder. Tu as vu? Oh papa, oh papa. Si c'est la richesse, papa. Il y en a. Oh, papa. L'argent que vous voyez aujourd'hui là, oui, oh, vous allez croire que c'est les faux billets. Oui, ce n'est pas les faux billets. Voyons bien, c'est papa. Juste pour vous montrer que la réalité voyons, des choses. Oh, papa. L'argent, papa. L'argent, c'est rien. Papa, me tais sur les cas. Il dit quoi? Il dit que s'il peut prendre un pour voir si c'est de vrai. Dis-lui de prendre un. Tu vas bouffer ça, faut faire comme ça, tu vas voir. Et tu vas aller chez toi dans ton pays. Donc, ce que vous voyez là, gentil. Il n'y a rien. Papa. Vous voyez, papa, tu es fort. La richesse que tu veux aujourd'hui, oui, papa, dépend de toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout ce que tu veux aujourd'hui c'est dépend vrai. De et toi. Et on va prendre cet argent pour partir là-bas. L'argent qui est là. Cet argent, c'est pour lui. Oui. Mais, je préfère qu'arriver chez lui-même, je vais le dire, ce qu'il va faire en même temps, parce qu'il va partir avec ses parfums et la bague. Oui. Il va faire et ça va produire chez lui-même. Oui. Parce que les génies n'aiment pas le transport d'argent. Merci. L'argent qu'il a produit, il n'aime pas le transport d'argent. La bague là, ça fait tout. Protection, amour, joie, tout. La bague là, je le fais à 75 000.
D'accord, papa. La bague, c'est à 75 000. Mais si ça accompagne le portefeuille, je diminue le prix. Ah, mais d'accord. Si tu veux la bague seule pour réussir telle chose, c'est à 75 000, je fais ça. Et tu vas augmenter 5 francs pour les choses des génies. Donc, remercions tout. Et